Bonjour les amis, aujourd'hui on va vous montrer un petit peu ce qu'on a amélioré sur une de nos amies. Donc on a un petit peu modifié pour un client qui nous en a fait la demande. Donc je vous montre tout ça. On retrouve simplement des grands rétroviseurs afin d'avoir une meilleure visibilité. C'est vrai que les rétroviseurs d'origine sont suffisants à mon sens, mais des fois on peut manquer un petit peu de visibilité. On a rajouté un rétroviseur central. Voilà, toujours pareil pour mieux voir arriver les véhicules derrière nous. Modification un petit peu plus intéressante pour certains qui va se retrouver ici. C'est-à-dire la commande drive neutre et marche arrière, donc initiale, est ici. On a rajouté une petite commande déportée sans fil qui est ici, qui nous permet voilà, de modifier tout ça. On appuie ici, on passe en marche arrière, on rappuie ici. On repasse sur Drive. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est assez sympa. Alors ça n'enlève pas la commande d'origine. La commande d'origine reste fonctionnelle. C'est simplement une commande supplémentaire qui est déportée pour les gens qui en ont besoin. Et puis après, en point de vue esthétique, donc extérieur, on a rajouté simplement des petits bumpers. Donc bumper noir à l'avant. Et pareil, les petits bumpers noirs à l'arrière. Et toujours pour être mieux vu, une grande bande sur le haut des vitres, une grande bande réfléchissante, donc qui est faite dans les mêmes matières que les panneaux signalétiques, les panneaux donc de signalisation au bord de la route, donc qui permet d'avoir une très très bonne visibilité la nuit. Voilà les amis un petit peu ce qu'on pouvait vous dire pour cette petite amie transformée. On en fait régulièrement pour des clients qui nous en font voilà la demande. Donc on a des choses possibles et c'est infini avec l'ami. Merci, à très vite.